bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Citizen Can TV pour un numéro spécial ici depuis Lyon, depuis le Festival Lumière qui met à l'honneur cette année le cinéma de Wong Kar-wai qui recevra le prix Lumière, le grand cinéaste, le virtuose est à l'honneur cette année ici à Lyon. Alors vous savez quoi, sur Citizen Can, on a décidé de demander aux invités du festival ce qu'ils pensaient de Wong Kar-wai. On les écoute. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez du cinéma de Wong Kar-wai qui va recevoir son prix Lumière cette année ici à Lyon ? C'est un cinéma qui m'a touché vraiment, surtout dans les années 90, où c'était quand même un renouveau du cinéma, je pense, mondial, grâce au cinéma asiatique. Et donc, c'est des cinéastes, des cinéastes aussi comme Xiao Xian, qui ont été déterminants, je pense, vraiment pour une renaissance, je pense, du cinéma mondial et pas seulement du cinéma asiatique. It's beyond sensual, it's sensational. There's something you can smell in his work, and you feel as if you sat with your eyes closed, you would still experience it. You know, it's a really particular approach to cinema. He makes his own atmosphere, and that's what a great filmmaker does. That's what pure cinema is. Monsieur Mitchell, un mot sur le cinéma de Wong Kar-wai qui va être mis à l'honneur cette année au festival. C'est bien qu'il soit à l'honneur, voilà. Mais moi, j'ai rien à dire. I think in many, many aspects he's a visual innovator and highly regarded and, you know, very influential with my generation.